Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Halloween, un make-up d'Halloween. Vous avez vraiment pas besoin de matériel, c'est vraiment tout ce qu'on a à la maison. Donc, je vous laisse avec la suite et c'est parti. C'est parti, je mets mon serre-tête pour pas que mes cheveux me gênent durant le maquillage. Je prends un fard à paupières rouge un peu rosé et je viens l'appliquer sur tout mon œil, donc sur la paupière mobile, dans le coin interne, sur les cernes, au ras de cils. En haut du sourcil, enfin voilà, vraiment, vraiment de partout. Vous pouvez, comme moi, prendre un pinceau. Ensuite, je viens prendre du noir et je vais seulement l'appliquer dans le coin interne de l'œil. J'ai fait au pinceau, mais si vous voulez que ce soit plus pigmenté, vous pouvez très bien prendre votre doigt. Ensuite, je viens prendre du violet. Donc, vous savez très bien, quand on a un œil au beurre noir, il y a des petites traces violettes. Et donc, j'en ai mis un petit peu de partout. Pas beaucoup, mais de partout. Et là, j'ai décidé de prendre mon doigt parce que la couleur était beaucoup plus pigmentée qu'avec un pinceau. Et voilà, on a fini notre œil au beurre noir. Ensuite, je vais faire un petit peu la même chose, mais vers le sourcil. Je viens prendre du fard à paupières rouge et je vais en mettre au bout du sourcil, en fait. Je prends du violet et je vais en mettre au milieu. Puis j'ai décidé de faire la même chose mais vers la bouche. Ensuite, je viens faire une sorte de contouring avec du fard à paupières noir. Je l'ai fait avec mon doigt, vous pouvez très bien faire avec un pinceau pour que ce soit plus estompé. Et enfin, on passe à THE étape du maquillage. Il s'agit de la blessure. Donc, vous aurez besoin de colle scotch transparente. Donc, attention, avant de passer à cette étape, essayez-la sur votre main. Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être allergique. Et je veux surtout pas que vous vous retrouviez avec des boutons ou le visage tout rouge. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais un petit peu peur avant. Donc, faites attention à l'odeur parce que la colle, ça sent hyper fort. Donc, faites vraiment attention. Donc là, je viens mettre de la colle sur toute ma joue. Et je viens remplir le rond que j'ai fait. Donc ne le mettez pas trop vers l'œil parce que dès que vous allez l'enlever, vous allez chanter. Quand on l'enlève, ça fait un peu comme un masque pour les points noirs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends mon éventail et je viens me faire de l'air pour que ça sèche plus vite parce que la patience et moi, ça fait deux. Je prends un stylo rouge et je viens créer des trous dans la colle. Donc une fois que c'est sèche. Je viens faire des trous, donc moi j'en ai fait deux. Et on va venir un petit peu enlever la colle pour que ça fasse un peu ma peau est carrément déchirée. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, je vais venir colorer en rouge l'intérieur. Je prends un stylo noir et je viens colorier ensuite à l'intérieur des trous, encore une fois, pour donner beaucoup plus de profondeur. Et enfin, je vais mélanger le fard à paupières rouge, noir et violet pour cacher la colle transparente, pour que ce soit beaucoup plus naturel. Là, je vais prendre mon faux sang que je vais mettre à l'intérieur des trous et le laisser un petit peu dégouliner sur la blessure, un petit peu de partout. Et j'ai décidé de le frotter pour cacher encore une fois la colle transparente qu'on voyait encore. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de faux sang un petit peu de partout. Et voilà pour ce que ça donne. Donc à la caméra, le sang fait vraiment fluo, mais je vous assure, il est beaucoup plus foncé que ça. Donc voilà, j'ai fait l'œil au beurre noir, la blessure. Je tiens à m'excuser pour la suite de la vidéo, c'est-à-dire la luminosité qui est juste catastrophique. Bref, j'ai décidé de faire une autre blessure au niveau du nez. Pareil, je prends ma colle, je fais un trait de colle, je laisse sécher. Je prends mon stylo rouge, je viens faire un trou à l'intérieur. Je prends un stylo noir pour donner de la profondeur, je colorie à l'intérieur. Je reprends mon rouge et je recolorie. Puis je prends du fard à paupières noir, rouge et violet pour cacher la colle transparente. Je termine avec mon faux sang et je le mets à l'intérieur de la blessure. Et voilà pour ce qui est
blessure, œil au beurre noir, on a terminé le C'est maquillage juste. parfait dès qu'on n'a pas de matériel. Et enfin, je viens me salir avec un petit peu de fard à paupières noir. Je me suis mis un bandage que j'ai sali et un t-shirt blanc qui est un peu déchiré et j'ai décidé de le salir avec du fard à Et paupières. voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura N'hésitez plu. pas à m'envoyer sur Snap ou sur Insta vos make-up à vous, ce que vous avez prévu pour Halloween. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!